Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture pour vous en amour pour le week-end. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne bien sûr. Merci aussi pour les commentaires et les courriels que vous m'envoyez pour me donner un petit son de cloche sur la lecture. J'adore. Euh, donc... Ce week-end, c'est la pleine lune en vierge. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour ce week-end. Si vous pensez à quelqu'un présentement, euh, on va regarder son énergie. Donc, si on parle du masculin ou de l'âme sœur ou tout simplement quelqu'un de nouveau que vous, allez, vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. On va commencer avec l'énergie de l'autre. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Son cheminement. Euh, comment il ou elle voit la connexion? Euh, comment elle vous perçoit? Même chose. On va aller regarder son énergie en amour. L'autre personne. Oh, ça, ça vient de sauter. Ha! Contemplation. Hmm. Cette personne. -là. Pense beaucoup à vous. Euh, pense beaucoup à la situation. Elle évalue. Elle est en, en processus d'évaluation. On va aller regarder qu ce qui se passe. Mmh, flamme jumelle. Masque. Conclusion. Bon, alors, euh, votre personne, la personne à qui vous pensez, donc votre autre, euh, songe sincèrement de commencer à être un petit peu plus transparente dans sa communication avec vous, dans son énergie même. Ok, euh, cette personne. Ah, on va décider d'enlever un peu le masque qu'elle porte depuis longtemps, euh, vous concernant, okay, concernant cette connexion. Il y aura une conclusion à ça. Euh, cette personne a, a une très bonne idée de qui vous êtes. Elle se rend compte maintenant de l'importance euh, qu'elle vous porte, l'importance de cette connexion dans sa vie. Euh, cette personne euh, a vraiment envie de communiquer avec vous ses sentiments. Et d'en être d'être plus transparent avec vous. OK? On va y aller avec des tarots. Quand même pour aller voir plus clairement qu'est-ce qui se passe, mais on voit que cette personne pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à cette connexion. Donc, peu importe si c'est une, une connexion flamme jumelle ou c'est tout simplement un âme sœur, cette personne euh, se rend compte de euh, l'intensité de cette connexion avec vous. ok Alors, possiblement que si une... Il y a eu une séparation ou quelque chose, cette personne euh, dans la séparation a réalisé des choses. OK. D'autres messages, oups. D'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à l'autre. Comment il ou elle se sent? Il y a une grand il y a un grand chagrin qui habite cette personne présentement ok cette personne a l'impression de vous avoir possiblement perdu alors elle va devoir euh, communiquer avec vous plus rapidement on a le 3 des baguettes on a énergie sagittaire lion bélier cette personne peut vivre à distance de vous on a le 3 des pentacles, donc 3-3, vous pouvez voir le chiffre 33 ou 333. Souvent, on a le 10 des pentacles. Alors, on a Énergie Capricorne, Vierge Taureau aussi. Et on a le Chevalier des baguettes. Chevalier des baguettes. C'est quelqu'un qui euh, n'est pas. OK. Laissez-moi juste deux, mois, deux minutes. <laughs> juste être. Je veux juste connecter de, avec l'énergie. Alors, cette personne se voit vraiment bâtir quelque chose de solide avec vous. Elle voit, elle est capable d'envisager le bonheur, OK? Parce qu'elle a vécu avec vous le bonheur. Et elle est capable d'envisager le bonheur euh, avec vous, OK? Euh, bâtir quelque chose de solide avec vous. Um, avoir beaucoup d'abondance, une union vraiment très, euh, très attendue, une union attendue, euh, l'abondance qui attend cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas euh, habitué à l'engagement avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment désiré aussi un engagement avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui probablement a abandonné l'idée de l'amour ou d'être en amour un jour. Euh, alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire la cour, qui aime beaucoup aimer plusieurs personnes ou juste voir plusieurs personnes. Cette personne peut euh, aussi avoir des tendances à avoir des relations en ligne plus qu'en personne. Donc, elle peut. Euh, vraiment euh, fréquenter plusieurs personnes en ligne que j'ai ici comme message parce qu'on voit euh, cette personne pourrait recevoir des offres aussi en ligne. Il y a beaucoup de... Le fond de la connexion avec vous, votre hôte la voit comme quelque chose de solide, le fond de la connexion. Comme une pyramide, comme un fond, le, le, le bas très solide, euh, qui est toujours en ascension. C'est ce que j'ai comme énergie, OK? Qui permet à cette personne d'avancer vers vous, euh, qui permet à cette personne de possiblement être ouvert ou ouverte à un engagement plus concret avec vous. Okay? Alors cette personne veut cette abondance, elle voit cette abondance avec vous, elle voit son avenir avec vous. Cette personne veut elle ne veut plus attendre. Elle veut s'en venir euh, rapidement vers vous, vraiment rapidement avec le chevalier des baguettes. Le chevalier des baguettes, c'est quelqu'un qui est maintenant prêt à prendre un risque. Mais c'est comme je vous dis, c'est quelqu'un qui, qui est en croissance pr présentement, euh, en croissance personnelle. Cette personne apprend beaucoup sur elle-même, apprend beaucoup sur ses désirs. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, possiblement, comme je vous dis, reste à distance de vous, mais elle est décidée, elle est vraiment décidée d'avancer vers vous. Euh, la seule chose que je vois, c'est que cette personne a du mal à trouver le meilleur moyen euh, de venir vers vous. OK, alors, elle est possiblement encore en contemplation de comment je fais. Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je vais euh, blesser cette personne? Alors, si cette personne vous a blessé dans le passé, il y aurait peut-être encore une crainte de refaire ça. Alors, c'est ça. Cette personne pourrait avoir euh, des relations plus en ligne. Je ne sais, sais pas pourquoi j'ai euh, euh, <laughs> ce message. C j'ai vraiment l'impression que cette personne est tellement c'est pas une personne qui s'engage. Donc être en ligne et fréquenter en ligne, c'est beaucoup moins engageant pour cette personne. Mais là, j'ai que cette personne a vraiment quelque chose pour vous de quand même assez solide. OK. Alors, je vais continuer. Je vais aller chercher des messages de cette personne plus tard. Vers la fin de la lecture. On va aller regarder maintenant votre énergie par rapport à cette connexion. Comment vous vous sentez? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous aviez vraiment lâché le morceau, comme on dit. Euh, vous aviez décidé de juste de faire votre chemin pour le moment et d'avancer, de vous occuper de vous. Alors, on va aller regarder. Comment ça se passe chez vous présentement par rapport à cette personne, par rapport à cette connexion? Flamme jumelle. Donc, vous les deux, vous le savez, là, c'est quoi? Peut-être que vous vous en avez déjà parlé aussi pour certaines personnes. Union, hein? Vous voulez ça? Purge. Muet. Muette. muette, muette. muette. Okay. Alors, vous êtes présentement en train de vraiment travailler sur vous. Um, vous continuez à... Euh, C'est comme euh, vous, euh, vous êtes en train de nettoyer le garde-robe. Okay? Alors, nettoyer les... Le, 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 nettoyer ou, ou juste ranger, se débarrasser euh, de, de sentiments, de personnes, de situations, peu importe. Vous vous débarrassez de ce, qui, de ce qui ne vous sert plus présentement. Et ça, ça peut être aussi des façons de faire, des façons de se regarder, des façons de se parler. Euh, donc, euh, se dire Ah, oh, j'ai pris du poids. Ah, oh, euh, j'ai besoin de. Ok, bon, on le fait tous, on le fait tous. Okay? Ah, J'ai besoin d'aller me faire couper les cheveux. Ah, J'ai besoin de. Je ne suis pas belle comme ci. Ou je ne suis pas beau comme ça. Ou um, je jamais uh, l'amour que je désire avoir. Uh, j ai, j ai... Ça, c'est le subconscient. Alors, peut-être que vous ne le dites pas à voix haute, mais il y, une... y a quelque chose en vous qui bloque. Okay? Qui bloque ou qui a bloqué les choses pour vous dans le passé une croyance. Et là, vous vous débarrassez de ça. Aussi, plusieurs personnes commencent à retrouver leur voix, elles commencent à retrouver euh, euh, une façon de s'exprimer, une bonne façon de s'exprimer. Euh, vous avez décidé que peu importe, vous allez dire la vérité, vous allez dire comment vous vous sentez. Donc, c'est terminé. Euh, de ne pas parler. En fait, vous restez euh, muette jusqu'à ce qu'on vous pose la question. Et là, lorsqu'on va vous poser la question, c'est là que vous allez vous sentir à l'aise de parler. Vous allez, vous, a, vous avez décidé d'arrêter de ne pas dire ce que vous pensez. Donc, peut-être dans le passé, vous aviez dit oui à des choses que vous auriez, vous auriez voulu dire non, ok? Alors, si quelqu'un vous, vous a mis dans une tierce partie, euh, vous êtes euh, cette personne, euh, vous avez dit non, c'est correct euh, que tu as quelqu'un d'autre, c'est correct, euh, qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, que tu es marié, ou c'est correct euh, d'être juste ami, c'est correct. Euh. Alors, vous aviez euh, accepté des choses peut-être dans le passé par peur de perdre cette personne, par peur de perdre la connexion. Et là, vous décidez que c'est terminé, tout ça. Vous ne voulez plus vivre ça. Vous dites votre vérité. Ça fonctionne, cool. Ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Vous continuez d'avancer. Vous avez vraiment cette union en tête. Vous choisissez d'être en union harmonieuse avec votre flamme jumelle et vous allez attendre, pas nécessairement attendre mais vous allez euh, vous n'allez pas vraiment prendre une action euh, qui va à l'encontre de ce que vous croyez ou ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Alors Le message est un petit peu long là Je... vous voulez vraiment une union harmonieuse avec cette personne. Peu importe si c'est votre flamme jumelle ou votre âme soeur, vous choisissez ça. Alors, tant que vous choisissez l'union harmonieuse et vous vous focussez là-dessus, les autres, les autres, le conflit, euh, la confusion, le questionnement et tout ça va disparaître. C'est ça que vous purgez, ok, en étant dans l'authenticité et en ayant euh, la force de Parlez de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous désirez. OK, pour vous. Et vous aligner toujours avec ça. S'il y a communication qui s'en vient bientôt, euh, comme on a vu, de votre autre qui semble vouloir vraiment venir vous parler. Euh, c'est là que vous allez pouvoir parler de vos sentiments et ne plus être muette ou muet. Ok? Drôle de lecture aujourd'hui, mais c'est ça, quand même, l'énergie. Ok, on y va avec d'autres messages pour vous, avec des tarots. D'autres messages concernant votre énergie. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire? On a le 10 des pentacles. Donc, vous voyez euh, aussi comme l'autre l'abondance. Euh, de ce que cette connexion peut vous offrir tous les deux et même aller plus loin jusqu'à ce que ça peut offrir aux amis, à la famille, tout ça, cette union. On a le chevalier des pentacles. Le 8 des Pentacles. Il y a beaucoup de euh, Pentacles, donc beaucoup de terre. Vous êtes peut-être de ce signe ou vous avez ça dans votre carte, Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Et 3 des baguettes. 3 des baguettes encore. Alors, vous êtes tous les deux. Euh, alors, vous pouvez vivre vraiment à distance de cette personne. C'est difficile, on dirait, de vous rendre à cette personne. C'est comme... Euh, cette personne est trop loin. Alors, ça peut être pas nécessairement physiquement trop loin ou à distance. C'est une, une distance émotionnelle qui existe entre vous, okay? entre vous deux. Et vous, les deux, vous avez le désir, le grand désir d'avancer vers l'autre. Okay? Vous travaillez là-dessus. Vous ne savez pas trop. Vous êtes focusé là-dessus. Vous travaillez d'arrache-pied sur vous. Euh, sur essayer d'arranger la connexion, euh, vous voulez quelque chose de stable, vous avez toujours voulu offrir quelque chose de stable à cette personne. Euh, et parce que vous aviez vu l'abondance que cette connexion pouvait vous offrir côté, euh, de tous les côtés, en fait, pas juste... Euh, émotionnel et tout, mais vraiment de tous les côtés ensemble. Donc, des, des voyages, des projets, euh, beaucoup d'abondance, les, enf les enfants. Euh, on aurait dit que vous êtes, vous êtes la pièce manquante de cette personne et cette personne aussi. Euh, mais il ne <laughs> faut pas oublier que nous sommes entiers aussi en tant qu'individus. OK? <coughs> 10 euh, des pentacles, c'est vraiment. Il y a beaucoup d'abondance à avoir ici avec cette personne. Beaucoup. Alors, c'est pas voué à l'échec, jamais cette connexion. Ce que j'ai ici, c'est que votre désir est vraiment de travailler avec l'autre là-dessus. Travailler, vous êtes. Prête à travailler euh, avec l'autre, de proche. Okay? Mais c'est difficile. Vous avez l'impression de toujours avoir à, euh, à faire des grands gestes, des grands pas pour pouvoir atteindre cette personne, pour pouvoir communiquer avec cette personne. C'est toujours, ça semble toujours très loin, très on, on aurait dit pas impossible, mais inatteignable. Cette personne est inatteignable, vous avez l'impression. Et vous êtes fatigué de, de, de ça. Vous êtes fatigué d'avoir à toujours monter les échelles pour rejoindre cette personne, euh, toujours être disponible quand cette personne euh, communique avec vous. Euh, toujours être disponible quand cette personne veut vous voir. Par contre, ça n'a pas été euh, le cas de l'autre côté. Alors, cette personne semble inatteignable pour vous, pour le moment. Ouh. Mais il y a beaucoup d'abondance à avoir dans cette connexion ici. Et vous le savez et l'autre le, le sait aussi. Euh, Donc, okay. j'y vais maintenant avec l'énergie qui vous relie. Et pour ça, j'aime beaucoup prendre l'oracle de Rossi. C'est ainsi. Message pour le collectif, s'il vous plaît. L'énergie qui relie les deux. Qu'est-ce qui serait à venir? L'énergie qui vous relie vous et l'autre, à quoi ça ressemble. Après ça, je vais aller chercher des messages de l'autre. Mais je vais prendre aussi les Romance Angels aujourd'hui. Le pont, <laughs> l'énergie qui vous relie. Le pont. Alors vous voulez tous les deux cette connexion, vous n'en pouvez plus. D'être séparés. Flamme. Donc, peut, inviter, peut vraiment indiquer une union ici, flamme jumelle qui s'en vient et la justice. OK. Alors, possiblement qu'il y aura mariage ici ou vraiment un engagement beaucoup plus solide avec cette personne. Euh, le pont, c'est ça. C'est que vous allez. Um, Bientôt communiquer ensemble, avoir une discussion, vraiment euh, être capable de... J'aimerais tellement ça vous traduire des, des expressions que j'ai en anglais. Bridge the gap. Bridge the gap, c'est vraiment fermer l'espace entre vous deux, ok? C'est vraiment de ne plus avoir cette distance. Et c'est vraiment le désir des deux. Okay? Les deux ressentent cette énergie, les deux veulent que les choses s'arrangent, okay? que, les, que la, la dispute ou le, le silence et tout ça se termine. Okay? Donc, équilibrer les choses entre vous deux, c'est le plus grand désir des deux ici. C'est vraiment l'énergie qui vous connecte. Wow, c'est juste que les deux sont muets présentement. Alors, il y a des choses qui se travaillent encore, ok Le courage, l'ego, peut-être hein, la mort de l'ego, ego death qu'on appelle. D'autres messages. L'énergie qui vous relie, toutes les deux. Déception. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Alors, oui, l'énergie qui vous relie, c'est vraiment vous êtes déçus toutes les deux de ce qui se passe présentement, d'être séparés. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose euh, dans le passé qui vous a vraiment brisé le cœur à vous et l'autre. OK? Ça pourrait être la personne pour vous. Donc, vous pouvez, euh, comme je vous dis, faire affaire avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur très fort ici. Il y a une grande attirance entre vous deux. Vous êtes amourachés l'un l'autre. Vous êtes vraiment en amour tous les deux. Et s'il y a un silence, c'est vraiment, ça n'indique pas vraiment la vérité des sentiments de l'autre. C'est très difficile pour ces deux personnes de communiquer ensemble. Alors, c'est ça qu'on doit apprendre, c'est la communication qui est le plus important ici. Il y a une tristesse qui habite les deux et les deux aussi, je vous dirais, portent un masque. Alors, ce n'est pas juste l'autre. Aussi, euh, c'est ça. Souvent, on dit que l'autre porte le masque, mais en fait, vous le portez aussi. Désolée de vous dire ça, mais si vous ne communiquez pas vraiment la vérité, comme je vous ai dit plus tôt, c'est un genre de masque. C'est ne pas vouloir décevoir l'autre, ne pas vouloir avoir peur de perdre l'autre, avoir peur d'une dispute. Euh, alors, ça, ça c'est quelque chose qui vous habite tous les deux. OK? Mais l'énergie est vraiment d'essayer de, 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 de revenir ensemble, pouvoir communiquer ensemble et euh, vraiment se rapprocher. Okay, la distance, rapprocher la distance entre vous deux. Je vais aller chercher des messages de l'autre pour terminer la lecture. messages s'il vous plaît. Je vous reviens aussi avec les lectures du mois de mars euh, et d'autres messages du masculin aussi. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles bientôt. Donc, la communication va rentrer ici. Je prie pour toi chaque jour. Ah, c'est beau ça. C'est vraiment beau. Quelqu'un qui prie pour vous. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Alors, il y a encore. Cette personne hésite, je vois souvent cette personne qui, essaie, qui veut communiquer avec vous, veut vous dire ses sentiments et hésite, euh, hésite par peur, parce que si elle commence, est-ce qu'elle va être capable, est-ce que ça va conduire à plus de disputes, est-ce qu'elle va être capable de, de, de prendre la pression, si elle ressent une pression, alors tout ça, ça joue beaucoup dans la tête de cette personne. Euh, c'est ça qui fait que cette personne n'avance peut-être pas tout de suite. Okay? Alors, elle a encore besoin de, de travail. Elle a encore besoin de se rendre-là. Okay? Alors, mais c'est sur le chemin, en tout cas, je vous dis là. Ça s'en vient bien. Okay? Je vais terminer avec un message du livre. Pour voir. Un dernier message pour vous pour le week-end. Je vous souhaite tellement un beau week-end. Je vous reviens dimanche live, en direct. Ah, don't censure yourself. Ne te censure pas. Ne te censure pas. Et ça, ça a été vraiment le message pour les deux, de ne pas vous censurer. Alors, il y a toujours moyen de communiquer en douceur sans mettre le blâme sur l'autre, parce qu'il y a toujours, c'est les deux, ok? C'est toujours les deux. Alors, si vous n'avez pas été tout à fait euh, honnête dans vos sentiments, vous aviez dit oui, comme je vous dis, quand vous vouliez dire non, alors ça aussi, ça peut conduire à un moment de silence entre vous deux, à, à un moment de, peut-être qu'il y a eu une dispute, euh, on a mal compris. Euh, on ne peut pas vraiment lire dans les pensées de l'autre. Alors, si vous aviez dit oui puis vous vouliez dire non, et là vous êtes fâché ou euh, l'autre personne ne peut pas vous lire euh, vraiment vos, vos, vos pensées et vice-versa. C'est comme ça. OK? Alors, ne pas vous censurer. J'espère que les messages vous ont parlé aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo et de la partager aussi, s'il vous plaît. J'ai hâte de me rendre à 2000 abonnés. <laughs> Je suis presque rendue, mais il me semble que ça fait longtemps que c'est là, là, au même chiffre. En tout cas, ça doit être la saison. <laughs> Ok, alors je vous souhaite un super euh, de beau week-end et une belle pleine lune et une belle journée. On se reparle, à la prochaine. Bye bye.